Tu t'es bien battu, Don Quichotte. Ah, Don Quichotte, c'est pas mal. Ah, il a des bonnes répliques. Là. Tu t'en tireras pas comme ça, Krauser. Qu'est-ce qui t'arrive, Léon? Pourquoi tu t'énerves? Clé de Louis, c'est pour son labo de recherche. En tout cas, on est de retour. On est de retour. On a combattu Krauser. Il nous a défoncé une barre de vie avec un peu de vie en plus. C'est un peu relou. Mais on s'est débrouillé. On s'est débrouillé. On a pas mal de... On a pas mal de ça. C'est bien. On peut faire des balles, en fait. On peut faire pas mal de balles de pistolet. Ça serait quoi? Balles de pistolet... Balles de cartouche de fusil à pompe aussi, en fait. C'est normal. Munition de magnum. Les mines. Les mines... Les mines, on n'en a pas. On pourrait faire des mines. C'est bon. On pourrait faire des mines, ça pourrait aider. Toujours avoir des mines de côté. Voilà. Allez, on avance. Le combat de Krauser s'est super bien passé la dernière fois. Ah oui, on a une chose à faire. Alors, je vais juste regarder si je peux. Ça m'étonne. Ça serait de, en fait de changer... Genre pareil, moi je l'ai sur l'attaque, donc je m'en fous. Excusez-moi, j'aime pas trop aller dans les menus et tout ça, mais là c'est pas longtemps. C'est ça en fait, s'accroupir, se relever, esquiver. Est-ce qu'on peut mettre espace à la place? Alors vas-y, ça fait... garde, couteau, paré. Du coup on met ça F. On peut le faire. Ah. Parce que vu qu'on peut taper au couteau directement, j'ai pas besoin de me mettre comme ça, quoi. Et j'ai pas besoin de parer en fait en faisant ça. Moi je peux parer en tapant. Et honnêtement pour moi c'est beaucoup mieux. Donc là du coup on a espace pour se baisser. Enfin espace pour se baisser. Genre se baisser sur espace ou sauter sur espace et tout dans les jeux, honnêtement ça pour moi c'est logique dans les jeux que je fais. Donc c'est peut-être mieux en fait. Enfin, j'aurais peut-être un peu une meilleure activité sur ça. Sur les touches de F, j'aime pas du tout. Les touches de F, c'est pas vraiment des trucs que j'utilise, que j'aime utiliser en général. Surtout si c'est pour faire des trucs réactifs. Ouais, on verra, on va voir. Mais bon, je vais avoir une petite session d'apprentissage, donc peut-être que ça va mal se passer. On va voir. Bon, on avance. On avance, il n'y a strictement rien. Attends, moi je suis où? Moi je suis là. Ouais, moi je suis là. Ok. Mais ouais, Krauser, vraiment cool à combattre. Très 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 cool à combattre. Léon, j'ai vraiment pas le temps de répéter, alors écoute-moi bien. Ton ami est au sommet de la tour de l'horloge. Si tu fais vite, tu arriveras peut-être avant qu'elle ne devienne l'une des leurs. Ah bah t'as quand même un cœur. Ah. J'imagine que je devrais être remercié. Ouais, tu devrais. Apparemment, les gens disent... Genre, moi, je l'ai pas entendu en VO. Enfin, en version anglaise, parce qu'il y a plein de différentes langues. Il y a japonais et tout ça. Apparemment, l'anglais est pas bon de... Trésor enfermé. C'est quoi, trésor? Apparemment les gens disent que c'est pas top. Alors je sais pas trop pourquoi les gens disent ça, mais coffre avec serrure découverte. Oui, ça c'est le truc avec Ashley, on peut pas le prendre. Par contre trésor enfermé, je sais pas ce que c'est. Je sais plus ce que c'est. Du coup est-ce qu'on veut s'aventurer jusqu'à là-bas? C'est ça la question. Je vais voir s'il y a des ennemis et tout. Parce que s'il y a plein d'ennemis je vais pas hein. Mais ouais. Faudra que... Je pense que si je le fais en... Je crois apparemment il y aurait la difficulté professionnelle hein, comme l'original. Si jamais je le fais, je pense... Oh, je pense que... Je le mettrai peut-être en anglais. J'ai entendu des bruits. Je crois qu'il y a des créatures. Je le mettrai en anglais pour voir un peu ce que les gens disent. Ah, mais j'ai évité des trucs, quoi. C'est ouf.
Donc ouais, faudrait voir. Ah. D'accord. Okay. Bon, bah j'imagine que c'est normal que je l'ai pas en fait l'objet. C'est quoi ça? C'est un chien à droite? Je pense que ça s'est bien passé. Ah tiens, on a un... je crois qu'on a un sévère avantage sur ça. Sur les créatures là qui s'attachent dans le dos en fait. Parce qu'en théorie, on devrait devoir tirer sur la créature pour la détacher. Mais nous, on peut tirer dans l'ennemi et ça va toucher la créature. Donc on a un petit avantage de ce côté-là. C'est pas mal. Et du coup, bon, s'il y a des ennemis, j'imagine que ça, c'est parce que je pouvais pas le prendre. Maintenant, je peux. C'est bon, on va voir. Ah, bah oui, 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 c'est ça. Il y a la cinématique ici, en fait. Ok. Alors, chronique de recherche de octobre. 8 ans après mon éveil. Enfin, ma noble quête atteint sa phase finale, la fusion entre un humain et un insecte. La gouvernante, s'est gracieusement portée volontaire pour l'expérience. Je vais mettre tout mon cœur dans cette aventure pour transcender l'humanité et rendre fier Maître Ramon. Mars, 9 ans après mon éveil, une union magnifique a vu le jour. La gouvernante a beaucoup souffert, mais pas en vain. Voici le fruit de notre labeur dans toute sa splendeur. Je vais baptiser cette forme de vie parfaite U3, car 3 est le chiffre le plus beau et le plus complet. Avril, 9 ans, U3, ma chère Pesanta a été choisie pour servir le bras droit de Maître Ramon. Les deux bras ne valent-ils pas mieux qu'un seul? À mon tour de prouver ma loyauté. Son humble serviteur, Isidro. Donc ça, c'est les U2 et 3, en fait. Je pense que c'est les gardes du corps, du coup. Donc nous, on en a tué un. Déjà. Alors, note du gouvernement 2. Maître Ramon, avec l'opération de demain, je vais enfin dépasser les limites de cette enveloppe mortelle. Ce qui reste de moi devrait bientôt disparaître. C'est formidable. Le corps sacré est un miracle prodigieux. Ma fidélité envers vous est la seule lumière qui illumine mon chemin. Nos destins seront liés pour l'éternité. Existe-t-il une plus grande preuve de loyauté? Alors, fais voir. Le demi-cercle. Nickel. C'est quoi un 9 en or? Hop de poule dorée. C'est quelque chose à faire, les poules. Ah là, c'est quoi encore ça? Confession de Ramon, monseigneur, mon père bienveillant. Bénissez la lignée des Salazar avec un marteau de fer. Le fondateur de ma famille a déclaré néfaste les enseignements sacrés des Illuminados et a
persécuter ses fidèles. De plus, il a volé leurs biens les plus précieux et l'a enfermé dans les sous-sols de ce château. Quel blasphème, quelle insolence. Combien de temps ai-je dû supporter la honte de savoir que le même sang coule dans mes veines. Enfin, le jour de l'expiation est arrivé. Cher Lord Saddler, je vais libérer les plagas sacrées qui ont été enfouies sous ce château. L'heure est venue. Par la grâce divine, les pêcheurs renaîtront comme les membres du troupeau, membres du Ganados. Ils deviendront vos loyaux serviteurs. Rien ne me ferait plus plaisir que d'être à vos pieds et de profiter de votre splendeur. Je suis votre humble serviteur, vous êtes ma lumière éternelle, ma loyauté inébranlable. Ah, est-ce qu'il y a le... Attends, il y a ça. Est-ce qu'il y a le même truc que dans l'original avec le siège, je vais voir. Ce n'est pas le moment de se reposer. il a la même pose en plus. Genre bien penché sur le côté comme ça là. Il a exactement la même pose dans l'original, je crois bien. Ah, c'est marrant. J'ai mon couteau. Ouais, c'est sûr, okay. Les poules, qu'est-ce que j'en fais en fait des poules? Elle va faire un œuf. Fais un œuf. Yes! Merci. Ow! Elle m'attaque. Honnêtement, je voudrais bien récupérer des... Je sais pas si on peut les forcer à faire des œufs. Genre, il y a un truc à faire et tout. Je sais pas si c'est possible. Ça serait bien, parce que les œufs, c'est une case. Et ça remet beaucoup de vie, hein. Surtout si on met le... Oh, putain. Ah, c'est à moi. Surtout si on met le... La babiole, là. Le porte-bonheur. On va attendre encore une minute. Ça fait des soins gratuits. C'est marrant. Ah! Vas-y. Vas-y, point 9. Yes! Eh oui, ton œuf a disparu. Mais ça tue, sérieux? Parce que faut regarder la vie que ça remet, hein, quand même. C'est beaucoup. Hein. Puis vous rajoutez ça 100%. Donc ça double. Non, c'est vachement utile. Hein. Par contre, je commence à avoir un peu l'équipement plein. Ouais, on devrait recharger ça. Bon, on va partir. J'attends encore une minute. Enfin, une seconde. Enfin, 15 secondes, 30 secondes. On va voir. Juste pour être sûr. Ouais, tout est chargé. On a des grenades. Yes. Merci. Au revoir. Bon bah, je suis content. Moi qui me faisais du souci pour des soins là, ça va. Ça va, ça va. Est-ce qu'on peut aller au marchand ou pas? Sûrement au château. Oh merde!
J'aurais pas dû tirer autant de fois, j'aurais dû utiliser les couteaux jetables. Okay. Alors, on est bas en vie, je voudrais trouver un marchand. Sinon on va être dans la merde. Il est où le marchand? Là, il y a sauvegarde. Le marchand, il est là. Ah, on peut peut-être aller au marchand. Oh putain! On se soigne si jamais il y a des ennemis. Hein. On va se soigner. S'il y a personne, je voudrais utiliser les œufs pour me soigner. Je voudrais utiliser les œufs, mais avec le... Attends, la babiole, le porte-bonheur. Ok, go. On est bon. De la qualité, rien que de la qualité. Bienvenue. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je vends strictement rien de nouveau, c'est top. Alors, un œuf doré. Œuf doré d'une grande valeur, peut-être utilisé pour gagner une grande quantité de vie. Tu vois un peu la grande quantité de vie que tu as. Ah oui, c'est un soin complet en fait. Ah, on va le garder ça. Je pensais pas que c'était vraiment un soin vraiment complet. C'est une case et ça c'est comme un spray en fait. Donc on va le garder. On n'a pas vraiment besoin de tant d'argent. Par contre, ouais, on a plein de couteaux. Un peu trop de choses en fait. Alors, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on veut? On n'a pas vraiment grand chose à. Ouais, on veut réparer déjà. Réparer. Alors, Ada. Couteau, gilet. Couteau, gilet. Bienvenue. Comme neuf. Essaie d'y faire attention, d'accord. Pourquoi ne pas essayer une nouvelle arme étrangère? Ouais. Ça pourrait te sauver la vie, tu sais. On a beaucoup de choses. Les couteaux, en fait, me gênent un peu. On a un peu trop de couteaux. C'est 600 l'un, c'est pas très cher, en fait. Ça sert pas à grand chose. Ah, je sais pas quoi faire. On a du soin, je vais pas les vendre. Ce que je voudrais à la limite, c'est prendre le soin, là, le spray. C'est prendre le spray. Est-ce que je peux te... Reviens quand tu veux, sur... Je vais voir un truc. Alors, cool. Ouais, c'est pas mal, hein, quand même. C'est pas mal, mais c'est pas plein. Alors à la limite, ce qu'on peut faire, c'est utiliser un spray et on en rachète un. Et on garde les œufs pour le soin. Parce que là, c'est quasiment, c'est un peu plus de la moitié de ma vie, je crois. Enfin, on va dire la moitié de ma vie. Donc les œufs, c'est bien utile. Bien sûr, avec, avec le porte-bonheur. Ouais, on va faire ça. Bienvenue. On va vendre.
Mieux vaut près de 20 pas te faire tuer, hein. Ah ouais, ferme ta bouche. Nickel, on voudrait... cartouche de fusil, cartouche de pistolet peut-être. Il y a trop de porte-bonheur. Munition carreau, on remet ça. Fusil, mitraillette. Fusil c'est quoi? C'est les balles blanches hein. Ouais non, c'est les balles blanches. Création de pistolet 20%. C'est pas mal comme ça. Attends, on va se faire en sorte que les trucs se rentrent pas l'un dans l'autre hein, pour faire joli. Ok. Parce que vu que. On va faire ça 10. Plus 5. Très bien. Voilà, on a un peu de place. Si jamais on n'a pas assez de place, on casse des couteaux et tout ça, quoi. Bienvenue. Ça coûte cher de plein de choses intéressantes à vendre. On a 114 pesetas. Comme tu voudras. Après, ce qu'on peut faire, c'est acheter avec les spinels, acheter des babioles là, pour les sertir. Honnêtement, est-ce que ça vaut le coup de balancer les spinels là-dedans? Bof, pas vraiment. Ok, notre équipement est bon, on est bien. Ça c'est bon. On a plein de carreaux au final avec les couteaux. Examiner 0,50. 0,80. Ouais, donc on reste avec ça. Je vais voir. Ah ouais, même la vitesse d'attaque est moins bonne. Allez, on avance. Caro, si on commence à en faire un peu beaucoup, pas un peu trop, on va aussi avoir plusieurs stacks en fait de carreaux, donc ça c'est un peu embêtant. Donc faut faire attention à ça. Attends, c'est par là, ouais. Sans déconner. Sans déconner. Bienvenue. Qu'est-ce que je peux faire pour... Les temps sont durs. Il est là, merde. Pas vrai. Allez, c'est parti. C'est parti. On avance. Le mec, il est là. Juste à côté. Voilà la tour de l'horloge. Tiens bon, Ashley. Ça fait un petit moment qu'on t'a pas vu, Ashley. Munition de Magnum. Oh, la statue géante! Dans l'original, elle nous poursuit et tout. C'est ouf. Bon, ça aussi, c'était un QTE de malade où il fallait spammer des touches, genre appuyer très vite sur des touches. Oh, c'était chiant. Ah, c'est que. Honnêtement, l'original, c'est full QTE. Moi, ça me rendait fou. Je dois bien reconnaître que vous êtes tenace, monsieur Kennedy. Malheureusement, la partie s'achève ici. Il y a un canon dans la bouche de la statue, c'est fou. Merde. Oh merde.
Charge. Très bien. On a un mec là-haut. Je fais un peu attention, je regarde un peu à droite à gauche tout le temps parce que les mecs on les entend partout, donc il y en a dans plein haut. C'est dur de savoir d'où ils attaquent, d'où ils viennent. Ok, il y a un arbalétrier là. Je sais pas si ça passe. Ça m'étonnerait que la hitbox soit aussi bonne. Ils ne peuvent pas me descendre dans le dos. Hein. Non, les deux. Très bon. Qu'est-ce qu'il est bien ce fusil? J'entends des chaînes et tout. Je crois qu'ils ont des fléaux en fait. On prend l'arbalète si jamais on peut. Comme ça, ça économisera les munitions. Je sens qu'ils vont tomber dans le dos, je sais pas pourquoi, je le sens gros comme une maison. Oh, oh la vache. Je passe au centre en plus. Oh là là. C'était peut-être pas vraiment le bon moment. Quoique ça va. Oh la vache, il monte de niveau. Ah, la pute. What? Merde. Vache. C'était plus rapide, Léon, quand même. Dégage.
Très bien. On va recharger vu qu'il bouge pas. Merde. C'est quoi ça? What the fuck? Ok, c'est pour ça que. Je veux dire que vous avez le sens de l'accueil. Pour ça que je restais sur le côté, fait chier, on s'est quand même pris des dégâts. Parce que là. Ça a détruit un truc ou pas? Oh! Fait chier. Parce que là, on était un peu bloqué avec les autres. Oh, il y en a d'autres! Ok. Je voulais un peu temporiser. Voir si on pouvait. S'il pouvait crever en fait de la boule. Oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu. Oh mon dieu. Pas mort? Ah, on va te prendre, connard. Oh merde. Voilà. Vous voulez encore d'autres? On a plein, on a plein. On est stacké. On est stacké de boules. Ah, c'est pas si drôle, hein. C'est pas drôle quand c'est vous que vous la prenez, la boule, hein. Ah, c'est bon. Il y a un coffre à la droite. Okay. Personne n'a activé la boule. Non, c'est bon. Juste au cas où. Lui, on l'a coupé en deux. C'est ouf, quoi. Dégueulasse. Ok. Bon, ça va, c'est. Oui, non, c'est super bien débrouillé. Non, oui, oui, oui. Niveau stack et tout, là. Là, on est bien. On est bien. Ça va. On n'a pas pris trop cher en plus. On pourrait se soigner et tout avec les œufs. Il n'y a pas de problème. Donc là, il y a des coffres. En bas aussi, il y a des coffres. Je pense qu'il va falloir redescendre pour le coffre. Un ascenseur. Comme c'est gentil. Oh merde. Vous abandonnez jamais, hein. Très bien. Merde. On l'a eu ou pas? Ouais, on l'a eu. Ils vont où? Ah ok, il m'attend d'en haut. C'est con, hein. On charge. Oh, bien, on charge.
L'ascenseur. Est-ce qu'il y a l'ascenseur? Faut que je tire où? Putain. Recharge mes armes par contre. Il est très bien le fusil d'assaut pour les connards là. Oh merde. Nickel. Ah ça tue, ça tue. Oh ce passage est cool. Ce passage est super cool. Ah mais c'est la même. Par contre comment on retourne en arrière? Il y a quand même des trucs à récupérer en bas. À moins que j'ai vraiment loupé. Genre j'ai loupé l'endroit où on... Ça me ferait chier honnêtement. Parce que... Ça me ferait vraiment chier. Mais bon, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de passage. Ah ok. Je vais juste regarder l'équipement qu'on a. Il nous faudrait peut-être des. Faudrait peut-être que je fasse des balles de mon pistolet. C'est pas vraiment le truc que je fais souvent, mais. Bonus 5, c'est bien. Ah, il est là. On peut pas lui mettre une balle à la tête de là. Ah, les portes avec les pics, quoi. Okay. On a des... Quel enfoiré. On a des pas beaux. J'ai un peu le réflexe de faire shift pour retenir son souffle en fait, parce que moi c'est sur shift sur dans Tarkov quand je cible. Ok. Eh ouais, ça fait pas, la balle est pas extrêmement puissante, c'est normal. Mais des fois ça fait du critique en fait, donc ça peut one shot. Merde, putain, j'ai tiré à deux balles. Ah, la gâchette elle est méga sensible. Putain, vache. J'arrête de shifter là. Ok, très bien. Mais dis-moi qu'on... Ah, ok, carrément. J'allais dire, dis-moi qu'on peut revenir en... à l'intérieur du clocher. Mmh.
Merde. À cette distance, à la limite, c'est mieux de tirer dans le corps. Retrouver Ashley. Du coup, on le voit pas passer. Attends, du coup, est-ce qu'il y a un QTE à faire ou pas? Ou alors je recule. Non. Oh, faut pas courir peut-être. Ah, d'accord. Les autres, ils sont là pour te presser en fait. Si tu cours, tu tombes. Tu viens d'où, toi? Désolé, j'ai glissé. Ah, j'ai pas fait les munitions. Ça va faire plaisir. Bienvenue. Alors, qu'est-ce que t'achètes? Pas rien en fait. Merci. Ça va un peu la... Ça. Alors, 2 c'est quoi déjà, maximum? 2 fois la même couleur. Ok. On peut mettre... bah merde, on peut pas. Sinon on a différentes couleurs, 1.2. Bon après il est pas très cher, machin. Bon. C'est bien enfin, on va lui laisser ça, de toute façon on n'a pas vraiment grand chose à acheter. On peut réparer notre bordel. Les couteaux. Bienvenue. C'est du bon travail, si je peux me permettre. Le fusil à pompe, la cadence de tir, honnêtement, j'avoue qu'on a bien fait. J'avoue qu'on a très bien fait. C'est quand même vachement pratique. Hein. Modeler une arme pour répondre à tes besoins. Oh, y a-t-il quelque chose de plus? Ce que je voudrais, c'est augmenter son attaque. Il nous faudrait au moins une 40k ou un truc comme ça. On peut le vendre. On est à 20k. Les richesses que tu amasses te serviront. Une arme revient quand tu veux, surtout. Alors ça. L'amélioration. Ouais. Je voudrais juste augmenter ses dégâts. Bienvenue. En quoi puis-je t'être utile? 47k. Si tu veux avoir une... Et c'est ça pour voir. Ok. Tu sais, j'ai pas fait bonne route. Parfait. Alors ça... Ça. Nickel. Du coup, on va attendre que notre vie soit complètement finie pour se soigner. Là, on peut mettre un 3, on peut mettre un long. On a du... Ouais. Je pourrais faire des carreaux en plus. Ça fait combien de carreaux à chaque fois? Ça fait 4 carreaux. 4 carreaux. Comme ça, ça... Le stack il est pas rempli. On a une grenade. On va prendre. Bienvenue. Ça. Mieux reviens quand tu veux. L'inventaire est cool, hein. Vous avez vu comment on va vite en fait à faire les changements, les choses et tout ça. La fluidité d'un inventaire et le comment on dit le lui là le l'interface et tout ça. Honnêtement c'est important. C'est important dans ce genre de jeu. Pour pas frustrer le joueur et tout, hein. Enfin, c'est que c'est, tout va vite en fait, tout va très vite. C'est vraiment cool, donc c'est sympa. Ok, on a ça dans l'espace, ça va. On a plus trop de munitions par contre. J'avoue que on est faible en munitions, on peut faire 16. On a 3 petites et on a ça. Ouais, à la limite, on peut faire des balles de des cartouches de fusil à pompe. Ce serait une bonne chose, de fait. Voilà, nickel. On peut faire des balles de pistolet aussi, parce qu'on n'en a pas beaucoup. À la limite... Merde, attends, je les ai... Allô?
Qu'est-ce que j'ai fait? J'en avais pas du tout, j'en ai fait que 10, c'est ça? Ouais, x 10. Non, j'en ai fait que 10 en fait. Ok, pas de problème. Nickel. Nickel, nickel, on est bon. On va mettre les œufs là. Voilà, et ouais. On a du... ça va le soin. Le soin, ça va. On peut économiser un peu avec le soin. Ouais. Bon, j'ai un peu fait beaucoup de munitions. J'ai plus de. Je peux plus faire de grenades, genre incapacitant, des trucs comme ça. Donc j'espère que. On va se débrouiller. On va se débrouiller avec ça, quoi. Ça va, ça devrait aller. Alors là, c'est vrai un peu. Parce que j'ai vu qu'il y avait des objets en hauteur. Ouais. Quelle grande ferraille et tout, munitions, ça tue. J'entends un truc qui grince. Le truc qui grince, c'est les lampes, normalement. Elles doivent être en dessous, en fait. Je sauvegarde pour un rien, je m'en fous. Hein. C'est pas... Comme ça, je... si jamais il se passe malheur. Toi, tu dégages l'odeur du combat, l'ami. Ok. Normalement, on peut revenir en arrière ou pas? Ouais, ça va. Eh, hey, diamant jaune! Pas mal. Y a pas de... Okay, let's go. Donc du coup, ben... Oups, pardon, par là. Du coup, on peut plus revenir à... Je suis un peu déçu parce qu'il y avait quand même un coffre et tout ça, hein. Mais bon, je me demande vraiment si on peut pas revenir en arrière. Parce que là, il y a des échelles et tout. Peut-être en deuxième temps, peut-être après. Je suis quasiment certain que j'ai pas vu d'endroit où je pouvais genre sauter. En... Enfin, quand on a pris l'ascenseur, on était bloqué, puis basta. Wow! Il me donne autant de poudre noire. C'est cool. Ainsi, je vous ai remis la fille, comme je vous l'avais promis. Dites à notre seigneur de ne pas oublier la loyauté de son serviteur, Rama. Ashley! Léo! Comme vous êtes stupide, Monsieur Kennedy. Vous avez reçu la grâce de Lord Sadler. Tu parles trop. Pourtant, vous échouez à... Oh eh ben voilà. Terroriste, sans aucun savoir-vivre. Comment osez-vous? Ça, c'est une bonne chose de faite. Laissez-moi vous montrer le pouvoir que j'ai reçu de mon maître. Le pouvoir du Dieu. Tout est prêt pour l'acte final. Oh merde. Vaincre Ramon. Il n'y a rien de plus qu'un figurant dans mon scénario, Monsieur Kennedy. Alors ne prenez pas la grosse tête, votre instant de gloire est déjà passé. Ne mêle pas à ton scénario pourri. Eh bien, pourquoi ne pas me montrer à quoi ressemble un bon scénario en l'écrivant vous-même? Il est très rapide. Enfin, très. Il bouge, quoi. Oh, la... Oh, il a pris cher le gilet pare-balles. Mais c'est des explosifs. Putain, d'accord, ok. C'est ça qui crachait par terre, en fait. Faut que j'ai plus de... Le spectacle ne fait que commencer.
Oh la vache. Tu parles beaucoup. Je dois encore procéder à la distribution des rôles. Pour vous, oh, je sais, vous jouerez le rôle de mon Pulgarcito. Et sur mesure. Misérable que morte. Ouais. Ah la putain! Surveillez votre langage, monseigneur. Que penseraient les autres de vous? Tu mérites la mort, une mort lente et misérable! Très bien. D'accord? Il est quand même très. Et hein? Pas mal, hein? Oh. Tiens. Bien, bien, bien. Le couteau. Non mais... Putain, Léon, réagit mieux, hein, réagit mieux. Hein. What? Mal. Oh. Saute. Putain, Léon. Réaction sur 20. Putain. Cartouche, trop mal. Accordez-moi votre force. Je me demande si on devrait pas lui tirer dessus quand il est tombé par terre. Je vais te faire taire une bonne fois pour toutes. On l'a eu. Lèvres. Le combat est nettement mieux que l'original. Hein. Voilà. Non, nettement mieux que l'original. Oh, non, t'es sérieux? Tu m'as mis des trucs là-bas. ouais, nettement mieux que l'original. C'est quoi ça? Non, c'est un truc. Il va falloir notre vie. Ouais, on a pris cher. Mais ouais, nettement mieux, plus fun, la zone est moins grande, je crois que à un moment j'ai dit que, genre le cercle, genre c'était où, c'était par là je crois, genre ça je pensais que c'était l'arène du boss, de ce boss là du coup, parce que elle était méga grande dans l'original si je me rappelle bien, c'était un grand cercle et tout, il fallait tourner et tout, c'était chiant à combattre, je vais prendre.
Là, c'est plus petit. Il y a du, de la hauteur et tout ça. Donc, c'est plus fun. Ouais. Non, non, c'est plus fun. Bon. Non, c'est... bon, par contre, on commence à être un peu limite en ressources. Hein. Après, niveau vie, ça va. On s'est débrouillé. Encore des œufs, des sprays, tout. Non, ça va. Ça... On a vu pire. Ashley, pas de temps à perdre. On a vu pire. Ah, bateau. C'est qui, c'est Ada? Ah, c'est Krauser. Où est-ce que tu l'emmènes? Là, en bateau, bah, on est dans la merde, nous. Comment on fait? On va pas prendre la barque, quand même. Et le poursuivre, lui, il a un jet et tout. C'est sombre. Où est-ce qu'on est? Oh, merde. Ouh, bien. Bien tiré. Bien tiré. Bien. Carte. Ça va? Mal, hein? Alors, j'ai échoué, monseigneur. Je n'ai pas été capable d'exaucer votre dernier souhait et de remettre le jeune garçon sur le droit chemin. Maître Ramon n'était encore qu'un enfant quand j'ai vu pour la première fois le mal en lui. Lorsqu'il découvrit qu'une servante se moquait de lui en l'appelant Pulgarisocito, dans son dos, il la convoqua dans ses appartements privés après avoir forcé la fille à se mettre à genoux. Il lui aspergea le visage avec un flacon de vitriol sorti de sa poche. Le jeune maître regarda avec satisfaction la servante se tordre de douleur alors que la peau de son visage tombait en lambeaux. Son rictus malsain hante encore mes nuits. Avec le temps, la perfidie de Ramon n'a fait que croître et les membres de cette secte infernale se sont vite aperçus qu'ils pourraient exploiter son cœur vulnérable, maudit soit-il. Ils ont manipulé Maître Ramon et ont fait de lui leur marionnette. Et le pire dans tout cela... c'est qu'ils ont réussi à l'utiliser pour libérer les Plagas que la famille Salazar avait juré de garder scellés à jamais. Don Diego, rassurez-vous, j'ai l'intention de veiller sur Maître Ramon jusqu'au bout, quel que soit le sort qui nous est réservé. Pour avoir été au service de la famille Salazar depuis mon jeune âge, ceci est mon devoir et ma pénitence. C'est notre couteau. Oui, sinon il y a le chiffre à côté de l'icône. Parfait. Au moins, j'ai pas besoin de nager. J'avoue.
lampe rouge. Nickel. Rien d'autre. On est bon. On va faire un combat sur bateau ou pas? Ça c'est... Là je dirais que c'est nouveau. Tu cherches quelque chose? Bon, on va arrêter là du coup. Ça fait un bon chapitre bouclé. Ça va. Ouais, la mort c'était la chute. C'est tout bête. Parce qu'on a sprinté sur le bois là. Et on est tombé. C'était un peu con, mais bon. Ouais, par contre, bah, j'espère qu'on pourra y retourner un jour. Enfin, je sais pas si c'est fait exprès. Parce que, genre, dans le château, il y a un moment où on retourne, genre, très loin. Enfin, très tard, on retourne au début pour pouvoir récupérer, genre, des objets. Là, bah, j'ai peur que ça soit pas la même chose, mais bon, c'est pas grave. On va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.